Je m'appelle Mario Ferland, je suis de Ancienne-Lorette en banlieue de la ville de Québec et je suis propriétaire d'entreprises dans le domaine du métal et du caoutchouc. À l'âge de 10 ans, j'ai perdu un de mes cousins qui avait 4 ans de la leucémie et j'ai été un de ses 6 cousins qui portait sa tombe. Donc, à l'âge de 10 ans, c'est un événement qui est, pour un enfant qui n'est pas normal de porter la tombe de son cousin. Un de mes projets, c'était de traverser le pays en vélo une année. Et là, j'ai tombé sur le site internet de la Fondation. J'ai vu qu'il faisait la randonnée. Et en plus de ça, j'ai vu que c'était pour la cause du cancer chez les enfants. Donc, tout de suite, là, ça m'a accroché. Et deuxièmement, aussi, j'aime beaucoup le modèle de la Fondation qui est de redonner 100% des montants qu'on collecte pour le cancer chez les enfants. On veut que le chiffre magique tombe à zéro, donc qu'il n'y ait plus d'enfants qui aillent atteindre du cancer. Donc, si on peut emmener ce chiffre-là à zéro, je pense que ça va être mission accomplie.